Bonjour, Moussaillon. Je ne suis pas content aujourd'hui. Quelqu'un a dérobé une partie de mon trésor. Je l'avais rangé ici, à cet endroit. Il y avait un sac. Et un deuxième sac. Et en tout, j'avais 4 feuilles. 4 feuilles. Il ne m'en reste plus que 2. Alors, gamin, tu sais combien on m'a volé de feuilles, toi? J'ai un sac tout vide. 1, 2, il y en avait 4. Aide-moi à savoir combien de feuilles on m'a volé. C'était mon gros, plus gros trésor, c'est pour nourrir mes copains. Alors, 1, 2, il y en avait 4. Donc, il doit y en avoir 1, 2, 1, 2, 3, 4. On m'a volé 2 feuilles dans ce sac-là. Alors, je vais vous mettre le sac en rose. C'est celui dans lequel il manque des choses. Je ne sais pas si vous arrivez bien à distinguer le blanc du rose. Alors attention, moi j'aimerais bien que vous m'indiquiez combien de choses on m'a dérobé. Pour les petits, tu vas devoir dessiner. Par exemple, ici il y avait 4 choses. Il ne m'en reste plus qu'une seule. Combien est-ce que le brigand m'en a dérobé? Moi, je sais. 1. Là, il y en avait 4 en tout. 4. 4 en tout. Il m'en reste plus que 1. Tu vas garder dans ta tête 1. 1. 2, 3, 4. Je compte jusqu'à 4. Donc, on a dû me dérober 3 feuilles. Donc, je vais dessiner 3 feuilles. Mais ça fait 4 en tout. Et j'ai aussi tous mes copains qui se sont fait dérober quelque chose dans l'un de leurs sacs. Donc, à toi de savoir, à toi de leur montrer combien d'objets ils se sont fait dérobé. Pour les petits, vous allez dessiner. Pour les moyens, vous aurez aussi à dessiner. Et pour les grands, haha, là, comme tu es grand, tu vas devoir écrire en chiffres. Je vais te montrer les feuilles de travail. On va regarder, on va retirer les petites feuilles. Voilà. Est-ce que tu arrives bien à voir la feuille pour les petits? C'est peut-être un peu compliqué pour certains petits, mais avec l'aide des parents, on va pouvoir y arriver. Alors voilà. Le pirate a caché son trésor dans 2 sacs, dans plusieurs endroits. Ici, il avait écrit qu'il avait 3 pièces d'or. Dans un des sacs, il ne lui en reste plus qu'une seule. Combien de pièces d'or ont-elles été dérobées dans ce sac?
Alors, est-ce que tu as vu combien de pièces d'or? Alors, 1, je le mets dans la tête. 2, 3. Ah, pour compter jusqu'à 3, il fallait faire 2 de plus. Donc, 1, je... 2, je fais un cercle noir ou au crayon à papier et je vais le colorier en jaune. D'accord? Donc là, 3, 3, ici 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5. D'accord? Alors, bon courage à toi, fais du mieux que tu peux et amuse-toi.